le sommet en tout cas pour Monaco et pour Chelsea. Oui, ce serait le sommet si l'AS Monaco parvient à se qualifier, car pour cette avec le retour de Toto Schillaci et la titularisation d'Ibarra devant JV dans le couloir droit de Champions League de l'année 2003-2004. Les joueurs anglais ont donné le coup d'envoi. Premier ballon récupéré par Hasselbaink. Attention, oui, première frappe cadrée. Oui, celle-là, ça c'était une véritable occasion de but. Heureusement, Jérémy, c'est pas fini. Oh, quelle frappe! Attention! Et la frappe de Joe Cole. Il n'a pas pu frapper exactement comme il le voulait. Et non, parce que lorsqu'il a dégagé avec les deux points, il a donné de l'effet au ballon. Oh, bon ballon pour Hasselbaink. Pas de faute. Oh, bravo. Super, Romain. Oh, bravo, bravo. Super, Romain, bravo. Et super, Joe Cole également. Il y a beaucoup d'occasions là sur le but. Il faut stopper, il faut stopper. Alors que Patrice Evra est touché. Patrice Evra est touché. Et monsieur Frisch fait sans ses bras parce que dans tous les gros matchs, il s'est pratiquement blessé sérieusement. J'ai le sentiment qu'Evra, il dit non, 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 je ne sors pas, je ne sors pas. Patrice Evra, boulain nul. Jérémy, non, ça s'envole. Ça part dans le balcon de Stamford Bridge. Grandquiar, centre devant le but, et but. But de Grandquiar, une balle flottante que n'a pas pu maîtriser Romain. Allez, erreur, grosse erreur de Flavio Romain. Il a cru qu'elle sortait sans doute cette balle et elle est allée mourir dans la lucarne. Et voilà la moitié du chemin de fait pour l'équipe de Chelsea à la 22e minute. Grandquiar fait Roten encore. Allez, boum. Le poteau. Quel dommage. C'est pas fini, Roten toujours. Ah oui, ça Thierry, ça c'est... Oh, c'est con ça. Non, attends, mais ça te fait rire. En fait, t'en as rien à branler. C'est tout. Il va pouvoir centrer là. Quel bon centre. Olé. Oh, la barre. Une partout. La barre vers la tête de Good Johnson. Oh là là, on n'était pas loin du 2. Et la sortie de Flavio Romain, il faut qu'il se reprenne le garçon. Il faut qu'il se reprenne car là, parce qu'on a jugé qu'il était... fébrile, la balle. Voilà, il s'est rattrapé. Bravo. Bravo Romain, il a retrouvé ses sensations. Et même si le corner qui est concédé... Ça marche bien, attention. Carton. Je crois qu'il va prendre un carton, Evra. Oui. Il est parti, il est en retard. Il est en retard, Patrice Evra, sur ce coup-là. Eh oui. Espèce d'écureuil. Wallah, tu ressembles à un chevreuil. T'es petit, tu ressembles à un brownies. Il s'est relevé très vite. Allez, pas mal. Allez. Corrientes. Allez. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Jamais il manque ça. Jamais il manque ça. Aïe. Ce ballon a fait le décalage. Il a fait le décalage et c'est ballon à la sortie. Qui vient égaliser juste avant la mi-temps sur l'ensemble des deux matchs. Oui. 44e minute, 2-2. Ce ballon qui a failli être intercepté au départ a fait le décalage. Et ce décalage, il s'est retrouvé à la sortie avec un Frank Lampard. Il a fait le tour de Melchiot. La tête de Morientes. Mais voilà le but. La tête de Morientes. Non, c'est Ibarra qui marque, Thierry. Mais c'est Ibarra. Je crois qu'elle était déjà rentrée sur la tête. C'est Ibarra. Non, il y a but. Oui, il y a but, mais a je but, crois qu'elle était déjà rentrée je sur la pas, tête. Je crois pas. On va voir. Je crois que c'est Ibarra qui marque. En tout cas, Ibarra avait suivi, mais Ibarra ou Morientes, Monaco marque à la 45e. Voilà, il va déborder Melchiot. Mi-temps. C'est pas gagné, mais ça change beaucoup de choses. Mi-temps, donc 2-1 en faveur de Chelsea. Je remettant dans l'axe. Alors évidemment, Jean-Michel, on l'a dit, à la fin de cette première période. Bridge qui centre et Grandquiar. Et Johnson qui manque sa frappe. Au coup de sifflet, et c'est comme ça qu'il a pris ce carton jaune. Et qu'il le joue avant ou qu'il le joue après, Pierre. Un joueur du cash. Erreur de Olé, au-dessus. Grandquiar qui manque le plus facile. Oui. Et comme Morientes tout à l'heure. De Plasil. Que d'occasion, il faut resserrer. Oui, là il est bien placé. Ouais, et il a pas. Ça c'est intelligemment joué de la part de Frank Lampard parce qu'il est sur le ballon, il a un petit décalage. Oui. Un petit décalage. Et but voilà. Et le voilà, ça, c'est le but de Morientes. Oh,
le coup de décalage. Il est beau celui-là, il est beau, il est beau. 2-2. Ah là, c'est plus du tout pareil. Hein. C'est plus du tout pareil. Le problème, c'est qu'on n'aura pas de prolongation. Non, mais ça, on s'en fout. Alors là, debout à moi, ça, on s'en tape. Mais tout. Nouveau corner. Ah oui, bien joué. Des moments cruciaux, hein, 46e minute. Et puis là, il aime ce côté. Il aime ce côté, là, de Perchaud. Il aime ce côté. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Mais il aime ce côté. Barra. Dès le départ, elle a été touchée. Elle a été touchée, oui. Cette balle. Elle a corner été pour Monaco. Elle a été... Ballon du match est fini. Et c'est fini. Ils sont qualifiés. C'est bravo. Fini. Ils bravo sont Monaco. Qualifiés, les Monégasques, qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Après une partie magistralement menée, vraiment. Une grande, grande partie ici à Chelsea. C'était pas évident. Et voilà. Bonne fin de soirée. Et merci. Bravo Monaco. Merci de nous avoir suivis. Super Monaco ce soir. Super Monaco ce soir. Et espérons-le, super OM demain. Bonsoir, bonne fin de soirée sur TF1, bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et on revoit une dernière fois le but de Morientes qui met les deux équipes à égalité. 2-2 car c'est le résultat du match de ce soir. 2-2 entre Chelsea et Monaco.